Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le mardi 23 juillet 2024, s'est tenue une cérémonie de signature de convention entre le Fonds Sti Passeres et l'Université Jean Lorignon Guédé de Dalloy. Je suis professeur Adoï Cro-Viviane, la présidente de l'Université Jean Lorignon Guédé à Dalloy. Nous venons de signer aujourd'hui un partenariat avec le Fonds Sti. Pourquoi ce partenariat? Le Fonds Sti, qui est un organe de financement de la recherche, accompagne toutes les universités, y compris l'Université Jean Lorignon Guédé, dans le financement des projets de recherche, puisque chaque année, ils font des appels à candidature pour les projets qui sont vraiment qui adressent les questions de notre pays. Mais pourquoi ce partenariat? Ce partenariat, nous la voulons parce que nous avons un volet valorisation des résultats de la recherche. Ce côté valorisation des résultats de la recherche et ce côté aussi de valorisation de tout ce que nous pouvons avoir auprès de la communauté est un volet très important. Un volet très important et un volet très lourd dont les universités ne peuvent pas avoir disposé de financement pour ce volet-là. Mais le Fonds Sti a dans ses axes prioritaires ce volet. Et donc nous venons signer ce partenariat surtout pour qu'ils nous accompagnent dans la valorisation des résultats de nos recherches, dans la brevetisation de nos résultats et aussi dans la protection des résultats que nous avons au niveau de nos recherches. C'est vrai, nous sommes une université agroforesterie et environnement, surtout environnement minier. Donc, vous voyez l'importance de cette thématique au niveau de notre pays, qui est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Et donc, nous avons beaucoup de résultats, mais les résultats, il faut encore travailler ces résultats, les décortiquer et savoir qu'est-ce qui est valorisable, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant pour que la communauté locale, la communauté du pays puisse en bénéficier. Et pour ça, nous avons besoin de recours et nous prenons ce recours au niveau du Fonds Sti en signant ce partenariat. Monsieur Toalin, membre du conseil d'administration du Fonds Sti. Je pense que l'intérêt de ce partenariat s'inscrit même dans les missions du Fonds Sti, qui sont donc, entre autres, d'appuyer les institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans la réalisation, n'est-ce pas, des projets, surtout à travers les financements qu'on apporte. Donc pour nous, c'est un tournant assez décisif d'appuyer effectivement l'Université de Dalloy pour la réalisation des projets assez spécifiques, n'est-ce pas, qui auront un impact. N'est-ce pas, socio-économique et culturel, n'est-ce pas, dans notre pays. Je suis professeur Hortense Atta Diallo, membre du conseil scientifique du Fonds Sti. Et la présidente du conseil scientifique étant absente, je m'exprime au nom de tout le comité scientifique du Fonds Sti. C'est une journée heureuse pour nous, parce qu'en tant que membre du conseil scientifique, nous visons à avoir des projets ambitieux pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment faire un bond en avant en termes de recherche scientifique et innovation. Et nous avons tous senti l'engagement et surtout la vision de la présidente de l'Université Jean Lorignon Guédé pour vraiment accompagner son université pour qu'elle puisse faire vraiment une différence en termes de recherche scientifique. Nous avons senti cet engagement fort et avec l'accompagnement du Fonds Sti, nous l'avons senti à travers l'allocution du secrétaire général du Fonds Sti, que ce sera chose faite. Parce que même avant la signature de cette convention, elle a cité de nombreuses activités qui ont déjà eu lieu et avec des résultats assez satisfaisants. Donc le conseil scientifique ne peut que s'en réjouir.